Et salut tout le monde, c'est Silver, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur PC Building Simulator 2. On s'était quitté dans le précédent épisode après s'être fait un paquet d'argent, quelques tâches, etc. Donc tout ça, on connaît. Donc là, effectivement, on avait accepté les prochaines missions. Une mission de personnalisation très très simple et une petite amélioration. Ajouter un disque de 2 Tera, on l'a déjà commandé. Donc voilà, et on a déjà acheté aussi les 4 ordinateurs du jour pour continuer de se faire un beau paquet de pognon. On se rappelle qu'on a 4 PC en vente, hein, à peu près pour 1000$ chacun, voire plus si affinité. Donc là, on va passer le jour, on va voir si on arrive à vendre les 4. Si on arrive à vendre les 4, on va se faire... Maman, on va se faire un pognon. Là, on voit pas ceux qui sont en cours de vente. Donc on va simplement passer le jour et puis on va voir tout ça. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Du coup, là on est le 19, donc on va passer le 20, on a une grosse commande qui va arriver. Les deux tâches. Hop, on va voir ça tout de suite. On va commencer par récupérer notre petite commande, pour pas l'oublier. Surtout pour pas chercher une fois qu'on devra faire les PC. Alors, qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu les 4, on a vendu les 4, yes! Alors, le premier, on récupère 1500. Le second, on récupère 1100. On récupère 1400. Et on récupère 1700. On se fait un profit de 1000 sur celui-là, vous vous rendez compte, c'est énorme! Et du coup, ça nous monte à 7700. C'est incroyable. Première chose qu'on peut faire, du coup, on a tant d'argent. On peut se permettre de s'acheter 2 power-up. On va s'acheter le vissage. Et on va s'acheter... pas rapide, automatique, on veut. Les composants installés connectent automatiquement leurs câbles. On va acheter la connexion de bureau. Voilà, on va acheter ça. On pourrait même acheter ça. Voilà, on a 6000, il nous reste 1740. Surtout que là, on va reprendre de l'argent. Vous allez me dire, hein. Oui, les power-up, ça rend trop facile, mais... Ça nous fait gagner un temps, sans déconner. Ça nous fait gagner un temps fou. Donc, on va pas s'en priver. On va commencer par les tâches, comme d'habitude. Celui-là, il veut juste des stickers de nourriture. Il veut au moins un burger. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, pour mettre des burgers. Celui-là, on le mettrait pas ici. Un gros burger, là. C'est pas mal, en vrai. Comme ça, un énorme burger. Ouais. Non, on va le mettre en haut, plutôt. Du coup, il est trop gros. On va mettre un énorme sticker de burger, ici. Voilà. Ça, c'est bien. Et après, ici, on va mettre des plus petits. On va reconstituer une pizza. On va lui faire un truc un peu sympa. Vous savez quoi? Hop. Comme ça, là. Voilà, parfait. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. On va se limiter à ça. Il manque une petite part, genre, j'ai mangé une part. Voilà. C'est mignon comme tout. On a déjà fini. Celle-là, elle allait vraiment vite. Et là, on a une amélioration. On se rappelle, ça va aller très très vite aussi. Surtout clignez pas des yeux. Oh, le vissage automatique. C'est incroyable. Oh, j'avais déjà oublié qu'on l'avait. Vous vous rendez compte? J'avais déjà oublié. Donc, je disais clignez pas des yeux parce que ça va vraiment aller vite. Hop. Tâche. Disque. Hop. Tout est connecté. Tout est magnifique. Regardez. Ah, il faut qu'on ferme ça là-bas. Boum, boum, boum. Tout est vissé, tout est branché, tout est allumé. Hop. Franchement, on gagne du temps quand même. On va pas se mentir, on gagne du temps.
Bah oui, eh. On va pas se passer de ça. C'est quand même incroyable. Donc, hop. On va juste valider nos tâches du jour. Récupérer notre argent, 200. Récupérer notre argent, 420. C'est beau, c'est beau. Une mission de clonage, ça on n'a jamais eu et ça n'existait pas dans le premier. C'est la première fois qu'on va avoir une mission de clonage. Ici Robert de la Syrie de Roger. Ici Robert, oulalalala. Ici Roger de la Syrie de Roger, planche et bûche. Il n'y a aucune limite à la quantité et à la taille de bois que nous pouvons scier et couper pour vous. Bien entendu, nous accordons une grande importance à la durabilité et nous ne coupons et n'abattons. Hop, pardon, et n'abattons que des arbres provenant de forêts gérées. Enfin bref, je digresse. Le PC que nous utilisons dans la Syrie est tellement rempli de photos de bois, de fichiers, de vieilles données et de tout un tas de bordel que j'ai peur de perdre toutes mes données. Je ne veux surtout pas que ça arrive à la liste des fournitures de bois et les comptes que j'ai là-dessus. Le disque étant était petit au départ, donc vous pourriez me mettre un nouveau disque dur plus rapide et moderne avec plus d'espace et cloner le disque existant pour que je ne perde rien aussi vite que possible. Ok. Clonage du système d'exploitation. Le clonage d'un système est une méthode permettant de copier un système d'un disque à un autre. Vous aurez besoin d'une clé USB de clonage de système pour effectuer cette opération. Nous en avons donc ajouté une aux outils dans votre inventaire. Vous pouvez installer l'application directement à partir de la clé USB. Assurez-vous de commander un SSD ATA Ultimate 480 machin depuis l'application boutique pour cette tâche. Oui, bref, ça on sait. Ok, donc on a accepté, on va aller chercher le disque tout de suite. Il faut un SU650. SU650 en 480 gigas. Hop, ça c'est fait. Donc le clonage pour la première fois, donc ça c'est effectivement comme je disais une nouveauté du 2. On n'avait pas ça dans le 1. Et là c'est la première fois qu'on va le faire, donc c'est cool. Là, il faut un score Time Spy 3D Mark de 2000. Son nom est Aiden. Il est fan numéro 1 des animaux dans le monde. J'ai vérifié en ligne et apparemment un PC qui a un score de benchmark devrait suffire. Ça fonctionne, je peux mettre le mien pour que je puisse jouer. Ok, bref. S'il te plaît, ne dis pas à ma soeur que je vais mettre à jour le PC qu'elle a construit, elle serait triste. Ouais, t'inquiète, tu diras. Hein. Donc il faut un score de 2000. Il faut un score de 2000. On peut voir... On peut feinter un peu. On peut voir les performances de la pièce. On va spec PC. Qu'est-ce qu'il a pour l'instant? Il a un Ryzen 7 1700X. Il a... donc ça c'est dans le processeur. Il a un Ryzen 7... non. Reviens. Ryzen 7700X. Oh, 7905 de score. Ok. Et il a quoi comme carte? 750 Ti Gamer. 750... Ah bah c'est la plus basse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette au moins une... Au moins une 970. Ou une RX 470 sinon. Qu'est-ce qu'on a sur nous? non, c'est pas fou. Bon, on va lui commander, c'est pas très grave. On va lui commander une... on va lui commander plus large, une RX 470. Allez. RX 470. Ils sont tous au même prix. Pourquoi ils sont tous au même prix? Gaming X. On n'a pas une qui est mieux que l'autre? Ah, ils sont tous pareils en fait. Ah non, il y a des 8 Go. Pourquoi les 8 Go sont même pris que les 4? Ah du coup on prend les 8. Ils sont cons ou quoi? Ils sont cons ou quoi? On prend les 8. Forcément c'est sans même prix. RX 470, c'est ça que j'ai commandé. Bon, ils font le même score, les 4 et les 8. C'est pour ça qu'ils sont même prix du coup. Ah, je peux accéder à la boutique directement. Ah cool, j'avais pas vu ça. Ça c'est intéressant. Maintenant on le sait. Ok. Donc on a accepté, là on a des super offres, on va aller voir ça après avoir fait ce qu'on a déjà en stock, et ça c'est les nouveautés, on s'en fiche, ok. Ok. Nos ordinateurs, on va les faire un par un, je ne sais, est-ce que, bon, est-ce qu'il y avait une carte mère déjà?
Utiliser, mais il n'y a rien de cassé. Est-ce que j'en ai un cassé ici? Je vends. Cassé. J'ai pas de carte mère, ça c'est une excellente nouvelle. Ça c'est une nouvelle carte... une nouvelle barrette de RAM, pardon. En stockage, j'en ai pas. En alim, j'en ai une. Mais en vérité, l'alim, ça va. Ok. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc sur celui-là, qu'est-ce qui est cassé? Là, on voit que c'est la carte graphique. La GR8 3 Go. Ok, ça va être facile. Ça va être facile. Facile et rapide. Installer. Donc celle-ci qu'on vient de retirer qui est cassée, c'est une 280. Oh, j'en avais déjà une. Est-ce que si on met une neuve, ça se vend plus cher? On peut essayer, à vrai dire. On peut voir combien elle vaut. Combien elle vaut? Elle vaut 52. Et si je mets la neuve? Oh, elle vaut 155. Ah bah, alors là, le choix est très vite fait. J'ai envie de dire. Le choix est extrêmement vite fait, même. Oh, de l'air comprimé pour la poussière. On n'a pas encore eu besoin de... Oh, clé USB pour clonage d'OS. Yes. On n'a pas encore eu besoin de dépoussiérer pour l'instant. Je vais l'étonner, mais on avait ça depuis le début, mais... C'est vrai qu'on s'en est pas encore servi. Est-ce qu'on peut overclocker? On peut overclocker. Vraiment, zéro effort, hein, dans la... Dans l'overclocking, zéro effort. Aucun. Aucun effort, quoi. Mais on n'est pas là pour faire des efforts, on est là pour faire de l'argent. C'est pas pareil. Éclairage. On a besoin de rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On regarde quand même s'il y a d'autres comme appli. Y'a rien, on s'en fiche. Hop. Arc-en-ciel. Regardez. Allez. Oh, on va faire une petite peinture sur celui-là, allez. On va faire une petite peinture. On va pas être avare, on va le mettre en rose. On part vraiment sur un rose. Faut plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'avoir des ordinateurs roses. Après tout, ça fait quand même une belle couleur, regardez. Ouais, c'est pas si choquant, je trouve. En plus, avec le rouge, là, ça rend plutôt bien. Non, ça va. En plus, celui-là qui est vitré des deux côtés, on a vraiment juste le haut et la façade. Non, je trouve que ça va, c'est pas déconnant. Ça va. Je trouve pas ça déconnant. On a rien oublié dans nos câbles de couleur, c'est bon, ouais. PC nommé. Oh, déjà, il voit un petit pactole, celui-là. Rose, voilà. Hop. Combien on pourrait mettre? 1500? 1500, on a tapé juste, ok. On va pas faire de water cooling, c'est chiant, puis il va sur Bangle, non. Bah voilà. Je vous épargne quand même le water cooling quand on n'a pas besoin. Parce que ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même être relativement long à faire. Donc on va en faire, il y a des missions qui vont nous le demander, c'est sûr. Mais là, pour les PC qui sont... Voilà, on en a à chaque fois 4 par jour à faire. On va pas non plus... Pourquoi je retire la carte graphique, moi? Je sais même pas ce qui était cassé. J'étais dans ma phrase, j'ai même pas calculé, bref. Je disais, ouais, on va pas s'amuser à non plus faire du water cooling quand on peut se permettre d'éviter. Alors là, faut tout débrancher à la main. On peut déjà faire la lime, ok. Là, du coup, vérifie bien qu'on a mis nos câbles couleur, parce que ça va directement les mettre. Donc... C'est pareil, on va gagner beaucoup de temps. Boum boum boum. On a besoin de... D'abord mettre le support d'alim. Voilà, bien joué ça. Attends, un off. On va d'abord mettre la clé USB. Qui est juste là, parfait.
Ah, F2, je sais pas si on peut overclocker. Non. Parfait. Hop. Un petit éclairage vite fait. Et on n'en parle plus. Juste là. Boum. Boum, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre musique. Aléatoire. Vert, comme ça. Bam. Et comme ça, ça fait la musique en rythme avec la... Enfin, la lumière en rythme avec la musique. Nickel. Impeccable. Un petit coup de... De bombe. Un petit rouge. Un petit vert, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Un petit vert foncé. On n'a pas fait du tout, même. Voilà. C'est mignon, ça. Petit vert foncé. Hein, c'est très beau. Plus on a que deux côtés à faire. Impeccable. Oh, celui-là, il vaut pas très très cher. Qu'est-ce qu'on a pas? Overclocking, bah oui, on n'a pas d'overclocking. Logique. Alors. Le vert. Vraiment zéro imagination ici. 1002, je pense que c'est un bon prix. Parfait, on va laisser 70. Ça reste raisonnable, le but c'est de faire du blé. Le second. Qu'est-ce qu'on doit remplacer ici? Le processeur, il vaut 1 dollar. Hop, hop. Ce que je vous proposerai peut-être sur les prochains épisodes, c'est que la préparation de ces PC, j'en ferai peut-être un accéléré, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si effectivement vous trouvez ça peut-être un peu long. Alors après on le fera peut-être pas tout le long du let's play ces PC là, c'est juste que là, en début de partie, avoir un petit peu d'argent, je pense que c'est intéressant. Donc on va peut-être voilà, on va peut-être les faire un peu tant qu'on ait de l'argent de côté, et après... Et après on verra, on pourra peut-être s'en passer. Ah oui, c'est vrai, ça connecte automatiquement. On est sur un bonheur. On n'oublie pas la clé USB. On vérifie l'overclocking. Il y en a pas. Il y en a pas. Donc oui, du coup, je disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez un petit accéléré pour cette partie-là. Concrètement, on change une pièce, on met en vente, on change une pièce, on met en vente. Ça peut être un petit peu long, donc ça, pour le coup, je pourrais le comprendre, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas juste simplement à me donner votre avis, hein, il n'y a pas de souci, c'est pour que je sache, du coup, c'est tout. Hop, on va mettre un rose et un violet, allez hop, voilà. Flux. Ok. Ici on va mettre un petit coup de peinture. Violet. On va peut-être plus foncer. Ah mais du coup on peut faire des dégradés. Oh c'est pas mal ça en vérité. On peut se tenter un dégradé. Oh, je suis pas très doué, c'est pas très beau. Mais... Regardez, on va se sentir un petit dégradé en diagonale. Voir ce que ça donne. Ah, je pense que l'écart que j'ai pris était trop grand. Là. Ouais, c'est pas incroyable, mais ça rend bien, ça rend bien. Ouais, c'est pas mal, ça va. Ça pourrait être pire. Celui-là, on veut juste se bombarder en violet foncé. Pour le coup, ça, le violet est pas mal. Hein. Ok, bon, celui-là, on a fait dans l'originalité, on va dire.
Allez, on va dire qu'il est original. On fait des tests, on fait des tests. Ok, un petit nom et ça se met en vente. Le test. Bon, tout simplement, le test. Ça part sur 1100 cette histoire. On est ok. Tant qu'on est au-dessus de 1000, le prix de vente, moi, ça me va. Ça me va, mais largement. Ah, de nouveau ce petit boîtier. J'aime beaucoup ce boîtier avec la poignée. J'avais un peu plus tôt dans ma jeunesse, quand je faisais des LAN, j'avais un boîtier acier avec une poignée comme ça pour le transport. Parce que je voulais absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma machine. Et 15 kilos, le boîtier est vide. Alors à transporter, c'était pratique et vraiment, il risquait rien du tout, mais c'était trop lourd. 15 kilos vide, le boîtier, c'était trop lourd. Donc voilà, petite anecdote. Qu'est-ce qu'on doit changer ici? C'est une des barrettes de RAM. Alors, si on se base sur l'ordre, je dirais que c'est la première. Moi, je retirerais bien tous les câbles pour mettre les câbles de couleur, parce que j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Qu'ils soient, pardon, quand je dis que ce soit le cas, j'ai pas l'impression qu'ils soient en couleur pour notre objectif magique, vous savez. Ce que je veux dire par là. Vous connaissez quoi. Donc on va les refaire après, c'est pas très grave. À la base, j'étais là pour enlever une barrette. On va refaire la pâte thermique tant qu'on y est. La pâte thermique. Oui, bien sûr. Oui, monsieur, oui, la pâte thermique. Donc j'espère que c'est la bonne barrette qu'on enlève, parce que sinon ça veut dire qu'on aura enlevé tout ça pour rien. Oui, donc ok, donc l'ordre, en fait, c'est l'ordre dans lequel ils sont mis dans le personal computer. On n'oublie pas... Ah, pas terminé, du coup. On n'oublie pas le refroidissement. Donc là, on a du câble à remettre, du coup. Ça nous aurait presque manqué, dis donc. Ça nous aurait presque manqué. Voilà. Câble manquant? Non. Ah si. Si, il y avait bien un câble manquant. Il y a encore un câble manquant? Ah bah oui. Bah oui. Boîtier incomplet. Enfin. Pour moi, étant donné qu'il manque une clé USB. Overclocking, pas overclocking. Overclocking, yes. Boom. C'est pour le petit plaisir, pour les 50$ gratuits. On va pas se priver de 50$. Hein. Quand même. Je pense que si je vous dis appuie sur ce bouton qui ne fait rien, du coup, parce que là, clairement, monter de 1, ça fait rien. Appuie sur ce bouton qui fait rien et je te donne 50$, vraiment n'importe qui le fait, je pense. Bonjour, faites cette action qui n'entreprend aucun risque et je vous paie. Ah, c'est cadeau. Non, on va partir sur du rouge. Double intérieur est rouge, on va rester sur du rouge. Hop. Sauvegarder. D'ailleurs, on va faire un full rouge sur celui-là. On va faire un full setup rouge. Voilà. Ok. Ouais, c'est bien comme ça, full rouge. Impeccable. Bon, ça nous aura pris un petit peu de temps, mais raisonnablement. Wow, 1200 déjà. 1200 déjà. Le rouge. Eh, on va se négocier ça à 1500, hein. Facile, non? Ouais, on va se négocier ça à 1600. Facile. Voilà. Donc là, nos 4 PC sont en vente. Est-ce que notre commande est passée? Est-ce que j'ai lancé l'achat? Ah.
Malinx le lynx. Ah non, j'ai pas lancé l'achat, bah oui, de semi-malinx. Parce que j'ai pas acheté les PC et ce qu'il nous faudrait pour les remplacer. Là, il nous faut une 8Go 4000. 8Go 4000. Continuons nos achats. 8. Oula. 8. 4000. D'accord. 8. 4000. Voilà. Ensuite, il nous faut une. Oh, une carte mère. Z590. De chez Aorus. Non, de chez Gigabit Aorus. C'est celle-là. 250 quand même. Hein. Mon avis, celui-là, là, il va nous rapporter plus que ça. Hein. Une Gold 550. 550. Celle-là, Gold 550. Bien celle-là, oui. Et un G6500. G6500. Bon, là on est bon. Là on peut passer à la caisse. 1175 de matériel. Qu'est-ce qui nous a coûté cher? Oh la lime, 270. Ouh. Ouh, ça tape. Alors là ça tape. Même la barrette de RAM, une barrette de RAM 140. Ah, c'est pas donné non plus. Hein. Mais bon. On va se faire un paquet de blé, donc on n'est pas trop regardant. On va acheter les PC. J'espère qu'il nous reste assez d'argent pour tous les acheter. On va s'endetter, sinon, hein, tant pis. On va s'endetter, c'est pas grave. On va s'endetter parce que là, on sait qu'on a de l'argent qui va arriver là. On a moins 600, mais... On a moins 600, mais on sait que ça va pas durer. C'est quand qu'on doit payer le loyer? Alors fais gaffe quand même parce que c'est bientôt. Moins 800 quand même le loyer. Bah on va passer la journée. On va passer la journée et puis on va voir ce que nous réserve à la suite. Déjà, est-ce qu'on a vendu nos PC? C'est ça surtout qui nous intéresse. Nous. On en a vendu deux. Aïe aïe aïe, on en a vendu que deux. Bon, on en a vendu que deux quand même, mais bon. 1600 et 1500 quoi. Du coup ça veut dire qu'il en reste deux. On n'a pas vendu le verre et le test. On l'a mis à combien le test? On sait plus hein. On l'a mis à 1100, ça va, il pourrait acheter les gens. Et celui-là? On l'a mis à 1200, ça va. On va le mettre en vitrine, ça vendra peut-être mieux. Hop, voilà. Ok. Bon, on en a vendu 2 sur 4. Donc là, on en a 4 qui sont là. On pourra pas les mettre en vente, les 4, tout de suite, du coup. Parce qu'on a que 4 emplacements, hein, si je me trompe pas. Je me trompe peut-être, mais... Non, je crois qu'on peut en mettre que 4 en même temps. Ok. Ok, ok, ok. Messagerie. Ouais, découvert de compte, je sais, merci. On n'y est plus de toute façon, on est à plus de 1500 maintenant. On a réparé. Et on aura un personnalisé. Peindre le boîtier en violet, mais pas le vert, et mettre un emoji cœur. Et là, les offres de réparation, ok. On va se faire vite fait ces deux-là. Parce que ça va aller vite. On va commencer par l'amélioration. On n'a pas récupéré les commandes. Voilà. On n'avait pas récupéré la commande. On va juste faire un peu de ménage dans ce qui est cassé. Tant que j'y pense. Cassé. Cassé. Hop. Et là, on est bon, normalement. Ok. Non. Oui, mais je veux pas... Non, il va pas m'obliger à le faire quand même. Oh non, il va me faire perdre du temps pour rien. Non, s'il te plaît. Oh. On va perdre du temps pour rien, là. Là, on va vraiment perdre du temps. Parce qu'en plus, c'est super long, 3D Mark.
C'est super long, 3D Mark. Oh, il est trop instantané, il a pété un plomb avec son fond d'écran, lui. S'il te plaît, laisse-moi partir du 3D Mark. On est obligé d'attendre. Bon, eh bien, on attend. Voilà. Non, il est pas très performant, là. Vraiment... 7.5 en même temps il a la plus basse carte graphique du marché. La plus basse carte graphique du marché du gaming actuel là. Enfin, en tout cas dans le jeu. Donc forcément faut pas s'attendre à des miracles. On arrive au bout, je sais plus combien de temps ça dure. Ça dure bien 30 secondes je crois. Ça dure bien 30 secondes cette histoire là. Ah, même plus, on est déjà à 30 et c'est toujours pas fini. Ouais, une minute là. Ouais, une bonne minute même. Une bonne minute. Allez, on arrive au bout, c'est bon? C'est pour ça que je vais faire celui-là en premier, parce que pendant qu'il fera ça, on fera le deuxième. Voilà. 1300, hein. Lui, il veut 3000. On sait ce qui est pas bon maintenant, laisse-nous faire. Non. On sait ce qu'il faut, s'il te plaît, on l'a dans l'inventaire, on veut juste installer. Laisse-nous faire. Oui, waouh, il faudrait au moins ça. Allez, laisse-nous. Hop, tac, boum. Donc celle qu'on lui a commandée, du coup, c'est celle-ci. Ah oui, forcément. Bam, bam, bam. On met ça. Allez. C'est parti. Là, on peut lancer le 3D Mark et on sait qu'il va passer. Pendant ce temps-là, on va faire le second. Très rapidement. Voilà, exécuté. Allez-y. Alors. Le second, c'était celui-là. Le clonage, voilà. Là, on va s'amuser avec le clonage. Alors, première fois qu'on va faire du clonage. Pour commencer à cloner le système sur le SSD, nouvellement installé, on doit retirer le panneau latéral et on doit commencer par installer le nouveau SSD. Ça, c'est fait. On va remettre le panneau. Ok. Installer l'application clonage d'OS. On a une clé USB, clonage OS. Elle sert à quoi du coup? Je comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi. Je veux tout savoir. Oh, c'est long à installer là. Maintenant, il vous suffit de cloner sur une nouvelle SSD. Ah, pour cela, utilisez la clé USB pour le clonage d'OS. Donc là, au kit, installer. Clé USB pour le clonage. Clone d'OS. Ah, faut d'abord installer une appli et après on met la clé de clonage. Ouais, ok. Pourquoi pas. Fermé, on doit redémarrer le PC. Redémarrer. Clic gauche sur la flèche pour sélectionner le disque suivant dans la liste. Installe. Ah. Ok. Ok. Réussite.
Vous avez réussi. Bon, ça va, c'est pas très difficile. Ça va, ça va. C'est raisonnable. Donc lui, on peut le mettre là. On peut aller voir ce que donnent nos trois les marques. Ah, 3800, voilà. Là, on est bien. Il fallait au moins 3000. Ah, il fallait au moins 2000. Ah oui, effectivement. Oh là là là, on a large. Bon, on a mené nos deux petites missions à bien. On peut récupérer notre argent. Dûment gagné. 480. 620. Ça, c'est beau. Timbo, je suis en Asie. En attendant, je me suis dit que j'allais te rappeler de ne jamais... De ne jamais négliger Bangle. On a eu de bonnes évaluations l'an dernier et je n'aimerais pas voir ce chiffre baisser à nouveau après l'incendie. Installe-le et garde l'œil dessus. Crois-moi, tu n'as pas envie de te retrouver à ne faire que du nettoyage et des scans. Je retourne à ma quête d'illumination, ce chakra ne va pas s'ouvrir tout seul. Ok, donc maintenant on a Bangle. On peut voir là, on a 4, non, un peu plus de 4 étoiles. Niveau supérieur. On a plein de trucs. On a plein de trucs. Oui, merci. On a beaucoup de choses. Ok, bon. On voit un rapide aperçu des prochaines missions qu'on aura à mener. Le remplacement d'une carte mère et d'une alimentation. Et une peinture et un sticker. Donc ça va aller vite. Mais, application Bangle déverrouillée, on va voir vite fait Bangle, d'accord. Gardez un œil sur ce que vos clients écrivent dans leurs emails car ils mentionnent souvent des objectifs cachés. Assurez-vous de faire un bon travail ou votre évaluation Bangle pourrait en pâtir. Application thermique déverrouillée. Pour repérer les composants qui surchauffent dans un PC. Ah, cool. Cool. Ok, donc je disais. On a Bangle là. On n'a pas Bangle. Sur le PC, on l'a. On peut pas voir notre... notre évaluation. Ah, c'est pas une appli en fait, on va juste en haut à droite là. Ok, d'accord. Donc on va y arriver. Hein. Je disais simplement qu'en fait on allait se laisser là. On va se laisser ici, on a déjà fait un bel épisode. Donc voilà, au prochain épisode, on regardera du coup les deux tâches qu'on a, le remplacement, on achètera le matériel, on réparera ces fichus PC qui attendent devant notre atelier. Et puis voilà, tout simplement, je pense qu'on a déjà un bel objectif pour le prochain épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, pardon, et si vous appréciez ce Let's Play, je vous invite bien entendu à laisser un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous des pouces bleus d'ailleurs. Vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu est disponible. Moi sur ce, je vous laisse ici, on se retrouve pour la suite dans un prochain épisode. Et je vous dis ciao.